Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera ma pile à lire du mois de septembre. Donc j'ai mis exactement 4 livres, tout simplement parce que j'ai pas fini, enfin j'ai même pas pu lire ce que je voulais lire en août et en juillet. Donc j'en ai mis 4 et donc j'aimerais lire donc le premier tome de la série, il était une fois, de Emma Chase, donc une nuit adulte qui a eu de très bons avis en général, voilà. Et je pense que je passerai un bon moment détente en lisant ceci. Donc. Et il y a 3 phrases là d'accroche qui nous disent, en résumé hein, de ce livre. Donc, un mariage royal est-il possible entre une cendrillon new-yorkaise et le prince charmant? Donc voilà, à voir. Ensuite, j'aimerais lire quelque chose un peu plus de sombre, donc une dark romance. Et j'aimerais lire donc le premier tome de la série Monster in the Dark. Donc c'est de Pepper Winter et voilà, donc je traite de le lire. Donc voilà, une fille qui a été vendue et un mania de l'immobilier. On va suivre ce qu'elle va subir, etc. Donc voilà, la dark romance, donc c'est pour public averti bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite j'aimerais lire ce livre là en fait qui m'a été envoyé par les éditions Le Temps Éditeur, et c'est en fait Oracle de Justine Mourvan, et c'est de l'urban fantasy, et c'est de l'urban fantasy avec un univers celtique. Donc voilà, ça a l'air vraiment génial, donc je vous présenterai un peu plus dans mon book haul, je vous en parle un peu plus, donc voilà. Donc j'ai très hâte de le lire parce que quand j'avais lu le résumé, ça me faisait penser à un petit peu Third, parce qu'on a des enquêtes policières, des personnages qui ont l'air d'avoir des caractères assez marrants et tout, et aussi qu'on est dans un univers aussi celtique, mais des créatures aussi fantastiques. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal, donc j'ai très hâte de le lire et je vous en dirai très très bientôt ce que j'en pense. Le dernier livre que j'aimerais lire, donc c'est le tome 2 de la série Le Livre Perdu des Sortilèges. Donc c'est L'École de la Nuit de Deborah Harkness. Donc j'avais tellement aimé le premier tome avec un univers de sorciers. Voilà, c'est vraiment un univers sorcier avec des vampires, des créatures fantastiques encore une fois. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Par contre voilà, c'est une briquette, donc c'est pour ça que j'ai mis que 4 livres hein. Je vais prendre beaucoup de temps à le lire, quoique quelquefois les livres comme ça je le lis assez rapidement, même si c'est assez gros. Enfin, bref, d'ailleurs il va y avoir une série qui va bientôt sortir, enfin je crois que c'est une série ou un film, non je crois que c'est une série sur cette série là. Donc voilà, terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Ou sinon dites-moi tout simplement si vous avez fait une pile à lire pour le mois de septembre. Ou, vos derniers coups de cœur livresques. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.